Good morning, Alei, Daniel et Tchusra, aujourd'hui le Lunishmat, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Ahuda, Michael Novikov, et aussi le Rufat Rout Bat Klotin, Traïn, Nissim Rabat Masoudi, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Edouyot, Père Gimel, Mishnah Gimel. Me'e Avatiach, Uknivat Yarak Shel Trouma, Rabidosa Matir Lazarim, Vachachamim Osrim, Chamesh Rechelot Gezuzot, Mane Mane Upras. חייבות בראשית הגז, דברי רבי דוסה והחכמים אומרים, חמש רחלות כלשהן. דו סושי קיומתו של סדר זרעים. המחומיה, אין רפור וכללכות תרומות ומעשרות. ודוזיהם, אבק ללכות ראשית הגז. מוקומוס, מאה אבטיח וכניבת ירק. מאה אבטיח דבר, אבטיח נולשס. Une chose de sûre, c'est que ce n'est pas les pastèques de chez nous. אבטיח, en hébreu moderne, ça se dit une pastèque. Dans le chasse, c'est clair, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est quoi exactement? Alors là, j'ai fait une découverte aujourd'hui, je savais toujours que c'était pas la même chose, mais je savais pas ce que c'était. Il y a dans le Tiferet Israël, il rapporte, en Yiddish, mais c'est la même chose, c'est Melane, melon. Le melon, et ça correspond tout à fait d'ailleurs, comme ce qu'on va expliquer par la suite. D'accord? Pour le moment, on va expliquer proche des mots, Me'e Avatiach, littéralement les entrailles du Avatiach. Donc si on reste sur le melon, les entrailles du melon, où il y a dedans les pépins, les pépites. Comment on dit les pépins? Je recommence. Il n'y a pas le choix. Good morning, Alei, Daniel et Tchusra, aujourd'hui, le Nishmat, Amram, Yona, Ben, Chana, Peggy, Bat, Esther, Nissim, Ben, Ahuda, Michael, Novikov, Sinir, Fouat, Rout, Bat, Klodin, Traïna, Simcha, Bat, Masoudi, Betor, Shachol, Israël, si vous souhaitez, aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions le Sechet, le Yot, Perigimel, Mishnah, Gimel. Me'e Avatiach, Uknivat, Yarak, Shel Trouma. רבי דוסה מתיר לזרים וחכמים עושרים. חמש רחלות גזוזות מנה מנה ופרס. חייבות בראשית הגז דברי רבי דוסה וחכמים אומרים חמש רחלות כל שהן. דו סוג'י נוסף משנה כיוון תושה או סדר זרעים. המחומי אלה הלכות תרומה. אלו דוזיהם סבט לסוג'י דו ראשית הגז. מקומו סבק לו מחומי מאה אבטיח. Les entrailles d'un avatiach. Attention, ceux qui parlent hébreu vont tout de suite traduire pastèque. Et c'est une erreur. Il faut savoir, Eliezer Ben Yehuda, il a fait plein d'erreurs. Lorsqu'il a fait l'hébreu moderne, il y a eu quelqu'un qui s'est amusé à écrire un livre qui s'appelle L'Age Lachon. On lieu de faire L'Aze Lachon, L'Age Lachon. C'est toutes les erreurs de Ben Yehuda quand il a cru qu'il allait découvrir l'hébreu à travers la Torah pour en faire une langue. Mais il s'est trompé sur plein de mots. En tout cas, pour notre sujet, le avatiach, c'est clair, dans tout le chasse, on ne parle jamais d'une pastèque, on parle d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte, c'est dans le Tiferet Israël, il rapporte en yiddish, ça se dit comme en français, melone, le melon, melon. Et vous allez voir ensuite, quand on va expliquer pourquoi, c'est sûr qu'on parle d'un fruit qui est semblable à un melon. On va expliquer dans quelques secondes. En tout cas, me avatiach, donc littéralement les entrailles du melon, c'est-à-dire la partie interne du melon, où il y a dedans... les graines et la partie comme ça qui se mange pas vraiment, qu'on a l'habitude de jeter. D'accord? Avec en plus de ça la knivat yarak. Knivat yarak, je sais pas ce qu'est l'origine du mot knivat yarak, mais en tout cas, c'est les plantes, en fait, les salades qu'on mange, où il y a dedans des feuilles comme les salades vertes et tout ça. Il y a là-bas, extérieurement, certaines feuilles qu'on retire et qu'on jette. Donc en fait, on parle de. Dans la Mishnah, on parle de choses de production agricole qui font partie des fruits, qui sont vraiment semblables à la chair des fruits, mais qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on les retire et qu'on les jette. Et le sujet de la Mishnah est donc qu'ils sont de Trouma. Soit, par exemple, j'avais un fruit de Trouma, un melon de Trouma, je l'ai donné au Kohen. Oui, j'avais une salade verte de Trouma que j'ai donné au Kohen. Le Kohen, lorsqu'il a pris la Madame Kohen, elle a commencé à préparer sa salade. Elle a vidé l'intérieur du melon, ou elle a coupé la salade, les feuilles externes qu'on a l'habitude de jeter, qui sont un petit peu asséchées, flétries comme ça. Alors, la question est de savoir est-ce qu'un Israël a le droit de les récupérer et de les manger. Si ça lui prend, il a faim, pour x ou y raison, peu importe, il a envie de manger quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de manger. Et c'est en cela qu'il y a la discussion. Rabbi Dosa matir lazarim, vachachamim osrin. Rabbi Dosa nous dit, écoute, ça ne s'appelle pas... Ça ne fait pas partie intégrante de la nourriture, c'est-à-dire ce qui est interdit lorsque tu prélèves la trauma, c'est que ça devient un fruit. Ce qui est, certes, rattaché au fruit, mais qu'on n'a pas l'habitude de manger, n'a pas de statut de fruit, selon Rabbi Dosa.
selon Chachamim, puisque c'est l'intérieur du fruit, alors quand même, on le considère comme de la Trouma, que ce sera interdit pour les Arim. Je reviens maintenant sur le Mea Vatiyah. Bien sûr, bien évidemment, on est en train de parler d'une partie qu'on retire systématiquement, qui ressemble à une entraille. Le Divrei Hezra rapporte, c'est quelque chose qui est relié par des fils. Ça ne correspond pas du tout à notre pastèque, parce que notre pastèque, ça n'existe pas de vider l'intérieur. La pastèque, on la coupe tout le long. Et il y a dedans des pépins qu'on retire par-ci par-là. Mais en tout cas, il n'y a pas une partie qu'on vide comme ce qu'on fait avec le melon. Donc vous voyez bien que la vatiyah, ce n'était pas un melon. Ce n'était pas une pastèque, c'est plutôt un melon ou quelque chose d'autre. D'accord ? Tu vas dire la chose que ce soit le melon. Je peux admettre que quelqu'un m'interprétait différemment, mais en tout cas, sûrement pas la pastèque. D'accord ? On ferme la parenthèse de l'hébreu moderne et on continue à la Mishnah. Second sujet de Seder Zraim, cette fois-ci ça va parler des dons au Kohanim qu'on fait. Un des dons particuliers qu'on fait au Kohen, c'est qu'on lui donne le Reshit Agez. Reshit Gez Tzoncha Titen, je ne sais plus comment c'est dit en hébreu, mais c'est pas grave, Parashat Korach si je ne me trompe pas. Et là-bas en tout cas il y a marqué qu'il faut donner le Reshit Agez. Les premières tontes, soit lorsque je tonds mes moutons, à partir d'une certaine quantité de moutons, ou de laine plutôt à récupérer, ou les deux même, c'est ce qu'on va voir justement dans la Mishnah, définir exactement quelle quantité, alors la Torah m'impose de faire un cadeau, de donner au Kohen une partie conséquente. D'accord ? Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Chamesh rechelot, gezuzot, mané, mané ou pras. Chayavot bereshit agez, divrei Rabbi Dosa. S'il y a 5 Rechelot, 5 brebis, Gezuzot, Mané, Mané ou Pras, que chacune je suis gozès, je réussis à tondre un Mané ou Pras, c'est-à-dire c'est une répétition de redondance utilisée en hébreu pour dire plusieurs livres, je te dis livre, c'est faire, beaucoup de livres. Alors, Mané, Pras, Mané ou Pras, Mané va Pras, Mané va Pras. Donc plusieurs, chacune va donc. Finalement, je reviens concrètement encore sur les mots. Chacune des 5 rechelot, des 5 brebis, va me donner chacune un mané et pras. Un mané et pras. Mané, pras d'abord, c'est la moitié. La moitié du mané. C'est quoi un mané? Un mané, c'est connu. Mané, matin, zouz, dès qu'on rencontre les commandants de chasse. Mané, ça veut dire 100 zouz. On ne parle pas de valeur, on parle de poids. On parle de poids, de pièces. 200 zouz, après on va faire les équivalences. Pour le moment, on découvre les mots de la Mishnah. Donc, dès que chacune va te faire l'équivalent de 150 pièces de zouz, un zouz c'est un dinar, le poids, donc au final, 5 fois 150, si je ne me trompe pas, ça fait 750, donc c'est un poids de 750 pièces, si tu as une quantité telle de laine, de 5 brebis, alors dans ce cas-là, tu seras imposé de donner le reshit à Gez, de te faire ce don de laine au Kohen pour que lui aussi, il puisse se faire des vêtements. Donc, Chayavot Bereshit Agez, ils seront Chayav de Reshit Agez. Divrei Rabbi Dosa, telle est la vie de Rabbi Dosa. Vachachamim Omrim, ils baissent la barre complètement et ils te disent Chamesh Rechelot Kol Shehen. 5, dès que tu as 5 brebis qui te donnent de la laine, peu importe la quantité. En réalité, le Barthénois précise que c'est pas la quantité, c'est pas peu importe la quantité, c'est pas vrai, il y a une quantité minimale, mais qui est nettement inférieure à celle de Rabbi Dosa. Et de ce fait, par rapport à toi, qui a voulu une quantité gigantesque, alors non, on dit non, pas du tout, c'est pas la peine, un tout petit peu. C'est combien un tout petit peu? En réalité, alors le Barthénois, on va faire le Barthénois dans le mot, puisque la machine elle est courte aujourd'hui, c'est déjà. Le Barthénois va nous dire qu'on parle de 60 slaïm. Un sela, c'est 4 dinars, ça veut dire que c'est 240. Ça fait l'équivalent de moins qu'un tiers de ce que Rabbi Dosa requiert. Rachami va nous dire 240. Vous vous rappelez ça, Dampa, Dovev, sela, dinar, ma, pondion, isar. Ce qui m'intéresse, c'est les trois premiers. Sela, dinar, ma'a. D'accord ? Sela, dinar, ma'a, et ça nous fait do, vev. Dalet et vav. Un sela, ça fait 24 ma'a, ou ça fait 4 dinar. Sela, dinar. D'accord ? Ça marche ? Maintenant, on va parler un petit peu en correspondance, mais d'abord, on va faire le Barthénois. Alors, on avait sur le début de la Mishnah, Me'e Avatiyar, les entrailles du Avatiyar, qui est donc le melon. Azir onim ve'amashke shebetoch avatiyach. Les graines et le mashke, le fruit un petit peu comme ça, très liquide, qui est à l'intérieur du avatiyach. Ukni vatirek, c'est les alin me'upashin, les feuilles flétries, shemesirin minayerek, qu'on a l'habitude de retirer du légume et de la jeter. Ça c'était pour la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah c'était le mané mané ou pras. Kolachat mané vachetzi, chaque
chacune des brebis doit faire un mané et demi, un mané vachetzi. Donc un mané, ça fait 100 pièces de dinars, plus chatzi, la moitié d'un mané, ça va faire encore 150, donc 150 dinars. Ou batir ma'achilo chashiv gez. Et moins que cela, ça ne s'appelle pas un gez, ça ne s'appelle pas une tonte conséquente. Chez opachot, chez begizot, parce que ça, c'est moins qu'une tonte minimale conséquente que la Torah t'impose. Tel est l'avis de Rabbi Dosa. Il suffit de tondre même un petit peu. L'avdavka, c'est pas exact, pas un tout petit peu. Des pepachot mishishim slaim l'homme chayur rabbanan bereshit hagez. Moins que ce centre, Rabbi n'impose pas de reshit hagez. Elle a mishum de Rabbi Dosa, yahiv shiur araba, mais seulement Rabbi Dosa lui l'a donné un énorme shiur, une grosse quantité. La reine kane, kare, tana, le shiur azuta, le rabbanan kolchen. C'est pour ça que Rabbi qui prennent un shiur beaucoup moins, une quantité beaucoup moins conséquente, alors se permet de dire qu'on a un kolchen un tout petit peu. Maintenant, c'est la phrase surtout la plus importante qui m'intéresse pour, parce que c'est concret, ça va parler de halakha. Ve'asela mishkalo isrim ve'arba mein. Lorsqu'on fait la correspondance entre le sela, on se retrouve avec 24 ma'a, comme on a dit, sela dinar ma'a, avec dalet et vav, dalet vav ça fait 4 et 6, 6 fois 4, 24, donc un sela ça fait 24 ma'a. Et une ma'a, quel est le poids? Ou mishkal kol ma'a, un poids de une ma'a, c'est shisha asar garine seora, c'est l'équivalent de 16 grains d'orge. Alors, un grain d'orge, ça on le sait presque, il y a des grandes correspondances et même des recherches qui ont été faites, on a retrouvé une pièce, le daram, du Rambam, que le Rambam il a fait une correspondance, on a encore cette pièce, elle se trouve dans les musées en Égypte, et donc on est assez précis, à la différence des mesures, où il y a des grandes discussions, ce que c'est 48 cm pour une amma ou 60 cm, Chazonish Rabbi Chaim Nae. Pour les poids, on est relativement assez précis, parce que justement grâce à au Daram du Rambam, même si ça, il y a malgré tout quelques discussions, mais c'est un autre problème. Pour en rester au poids. Donc j'ai ici quelqu'un qui a fait l'équivalence, j'ai dans un livre ici, que le Garin Seora Mishkalo, 0,05 grammes. Un seora, ça fait l'équivalent de 0,05 grammes. C'est le poids. De ce fait, alors je retrouve mon petit papier. Donc une ma'a qui nous fait 16 seora, ça fait l'équivalent de 0,8 grammes. Un sela, c'est l'équivalent de 192 grammes. Ça n'a pas l'air. Non, 19,2 grammes, plutôt, c'est plus logique. Et donc, 60 sela, ça va nous faire 1,152 kg, selon Chachamim. Si on a tondu 5 brebis, et qu'on a récupéré 1,152 grammes, 1 kilo et 152 grammes de laine, alors on a le devoir de prélever une matana conséquence, un cadeau conséquent, et de l'amener au Kohen pour accomplir la mitzvah de Reshit Hagez, mitzvah qui est encore en vigueur à notre époque. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.